Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Hi to my new subscribers. Thank you for subscribing. Aujourd'hui, sur cette vidéo, je vais parler de la marque Bel Éclat Kenacol, l'huile Kenacol. Mais avant de parler de ce produit, de cette revue, je voudrais juste dire merci à la représentative de Avon qui m'a envoyé ces produits. Et c'est pour ça aujourd'hui je les présente. Donc c'est de la marque Avon et elle m'a envoyé plusieurs produits de la gamme Faraway parce que c'est l'un de mes parfums préférés vu que c'est le parfum préféré de l'un des parfums préférés de ma mère. Je le connais grâce à ma mère, ça fait des années passées. Donc j'ai eu le parfum. C'est un très très bon parfum. Malheureusement, je pense que maintenant, je ne sais pas s'ils ont changé leur formule, mais il ne tient plus aussi longtemps qu'avant, peut-être 2 heures. Avant, ça tenait 6 heures. Mais maintenant, sincèrement, bon, c'est un parfum que j'utilise à la maison ou juste chaque jour après ma douche, tout ça. Donc, ce parfum-ci, j'ai eu le gommage. Il sent super bon. La personne qui va se laver après vous. Si vous utilisez ça et qui rentre dans la douche, je vous dis, il va vous demander quel parfum vous avez utilisé, quel gel douche en fait vous avez utilisé. Et il travaille super bien sur la peau, excusez-moi. J'ai eu le déodorant anti-transpiration. J'ai eu la lotion pour le corps. Voilà. Et j'ai aussi eu la brume parfumée pour le corps. Voilà. Ils sont super bons. Donc, c'est. Je pense que c'est dans la famille de vanille, c'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser cette gamme-ci en automne-hiver. Aussi, j'ai demandé les bougies, donc il y a 2 petites bougies et aussi il y a un diffuseur de parfum, bien sûr. Et je vous présente juste les petites bougies. Voilà, Far Away toujours. Alors, n'hésitez pas si vous voulez commander, je vais laisser le numéro de la représentatrice avant. Vous pouvez commander si vous êtes en France et si vous êtes aussi en Angleterre, il n'y a pas de souci. Ils ont plusieurs parfums, bien sûr. Je recommande Today, Tomorrow et je me rappelle plus trop en fait. Mais celui-là, il tient super bien, 4 heures à 6 heures du temps et ils sont super bons aussi. Ils ont des produits beauté, des gammes soins aussi. Donc n'hésitez pas, je suis trop contente. Alors maintenant, je vais vous parler du produit Bel Éclat, l'huile Kenacol. Donc sur cette gamme-là, je pense que y a plusieurs produits Bel Éclat, mais moi je connais que l'huile. Cette photo-ci, je vous mets le produit ici. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais je connais 2, 3 personnes des Nigériennes qui l'utilisent et elles ont un super joli teint. Alors ce produit-ci est à base de Kenacol. Il y a 2 sortes de Kenacol. Il y a le Kenacol le crude qui est vraiment authentique, le pur. Et ça se vend souvent en Afrique dans des bouteilles d'eau, tout ça. C'est un peu. Voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour faire leur mélange de crème éclaircissante. Voilà. Et ça marche super bien aussi pour atténuer tout ce qui est très très fort, tous les ingrédients qui sont très très forts. Ce produit est très très efficace pour estomper les problèmes de vergéture, pour unifier le teint et aussi, qu'est-ce que ça fait aussi? Ça traite tout ce qui est des taches d'hyperpigmentation. Il y en a qui disent que ça éclaircit, je ne pense pas trop, mais ça vous donne un super joli teint. Vous le retrouvez plus souvent en Afrique nigérienne, Ghana, Bénin. Vous pouvez aussi le retrouver sur eBay, Amazon, non, dans des boutiques particulières. Je ne sais pas si dans des boutiques cosmétiques exotiques, vous pouvez retrouver là, je ne suis pas sûre. Ça coûte environ 10, je dirais 12 à 20 livres ici en Europe. Donc c'est à voir, peut-être en Afrique c'est moins cher. Alors comment mélanger ce produit? Ce produit, il faut vraiment faire très attention. Il faut en mettre un tout petit peu dans votre mélange. Peu importe la crème ou le lait que vous allez utiliser, que ce soit une crème éclaircissante ou bien que ce soit une crème juste hydratante, une crème qui va unifier le teint, vous allez juste mettre un bouchon, on va dire, vous allez transférer votre crème dans un autre pot, ou dans un autre flacon, on va dire 100 grammes, 100 grammes, 100 milligrammes, 100 milligrammes, je ne sais plus. Donc vous allez transférer un peu dans un pot et vous mettez juste un bouchon d'huile Kenacol, sorry. Donc vous avez bien entendu, juste un bouchon dans une partie de votre crème et vous mélangez bien
peu importe la crème que vous allez utiliser, si c'est une crème réparatrice, vous mettez un peu et ça va corriger tout ce qui est veines vertes. Surtout les veines vertes, ça corrige. Donc, tout ce qui est veines vertes dues à des produits éclaircissants, tout ce qui est veines vertes dues aux produits, aux ingrédients décapitants, ça doit normalement corriger, réparer votre peau. Ça doit le faire si vous utilisez bien. Je ne vous conseille pas, si vous voulez réparer votre peau, d'utiliser un autre, on va dire, une autre lait très 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 fort et après vous mettez ça et après ça va peut-être faire des contre-réactions, ça va faire des réactions mauvaises et après vous allez dire que le produit ne marche pas. Vaut mieux prendre une crème éclaircissante, hydratante ou bien juste une crème réparatrice, nourrissante et vous mettez l'huile Kenacol pour corriger, estomper tous les défauts, tout ce qui est, comme je dis encore, vergéture ou problème de veines vertes. Ça va estomper, corriger. Ce produit est très, très efficace. Vous pouvez l'utiliser sur le visage comme sur le corps. Sur le visage, par contre, j'ai jamais encore vu une personne qui l'utilise sur le visage que sur le corps, mais c'est recommandé. Vous pouvez l'utiliser. Comme je dis, vous n'utilisez pas beaucoup. Le flacon doit faire peut-être, je sais pas, vous devez l'utiliser peut-être 4 fois, ce petit flacon-là. Donc, le flacon est vert, blanc et doré. Voilà, c'est un petit flacon de 30 ml. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Comme je vous ai dit, il y en a qui disent que ça éclaircit, mais je ne suis pas sûre. Ça unifie votre teint. Ça traite tous les problèmes que vous avez eu dus aux produits éclaircissants et aux produits décapitant, voilà. Et aussi, si vous avez des problèmes, vous savez, vous avez utilisé un produit, un lait, et vous avez des réactions de grattage, démangeaison aussi, ça va atténuer tout ça. J'arrive plus à parler, ça va atténuer tous ces petits problèmes en fait. Donc, je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'il fallait dire. Donc ça corrige aussi tout ce qui est taches d'hyperpigmentation, taches de rousseur. Donc on étudie sur le visage et les mains aussi et sur le corps. Donc voilà, c'était ma petite revue sur ce produit Bel Éclat Kenacol, l'huile. J'ai bien dit l'huile. D'autres produits, je ne connais pas. Parce que je reçois beaucoup de messages, comment utiliser, comment faire, tout ça dans ma crème. Et voilà, donc ça, c'est ma petite revue. Moi-même, je ne l'utilise pas encore parce que je n'en ai pas besoin. J'ai des vergetures, mais j'ai appris à les aimer et j'ai appris à vivre avec. Et puis, ce que je conseille aussi, ça va mieux fonctionner sur des vergetures qui sont nouveaux en fait, qui sont récents. Des vergetures par exemple de grossesse ou dues aux produits récents. Si par contre, ce sont des vergetures qu'ils ont duré des années et des années, ce sera un peu plus compliqué. Comme je vous le recommande toujours, quand on fait des traitements de vergeture, tout ça, il faut combiner avec le gommage. N'hésitez pas aussi à bien hydrater la peau parce que quand on fait des gommages, ça assèche la peau. Donc voilà, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me les demander. Je vous invite à partager mes vidéos, à vous abonner et à mettre un pouce vers le haut. Cela me ferait très très plaisir. Sur ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein plein de gros bisous. Bye bye!